Autorisation de taguer à Manille-les-Hameaux. C'était samedi dernier lors du Festival annuel de cultures urbaines. Au programme activités, ateliers, animations, spectacles et battles. Juste pour l'esprit découverte et voilà, sans prise de tête. Pas de show business ou quoi que ce soit. Allez, on les encourage. Face à lui lors de la demi-finale de break, un danseur expérimenté, entraîné pour les défis. Je regarde un peu plus quand même le côté États-Unis, parce que c'est de là-bas que ça vient. Faut pas l'oublier, le hip-hop c'est une culture assez ouverte. On va chercher un peu de partout. Les arts martiaux, la capoeira, la gymnastique. Selon le B-Boy, l'âge d'or de cet art de rue en France, c'était vers 98-99. Depuis, les styles et même les publics ont changé. Je suis content et j'apprécie avec mes filles et ma femme, tranquillement. Nous, c'est la première fois qu'on participe et c'est très très intéressant. Voilà. Il y en a pour tous les âges, tous les goûts et ça ouvre l'esprit à plusieurs cultures. Le public vote pour son danseur favori à l'aide de cartons colorés, mais la décision finale revient au jury, composé de personnel de la ville et de professionnels du milieu. On nous a donné une feuille avec certains critères de technicité, de performance, il y a différentes choses, mais c'est très difficile de mettre les choses aussi clairement dans des cases. À la clé, pour le meilleur, une dotation de 200 euros, offerte par la commune de Manille-les-Hameaux.